la définition de la jeunesse dépend des contextes, dépend des sociétés. Et généralement, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la jeunesse est avant tout le passage... plutôt, c'est un cycle de vie, et c'est un stade intermédiaire entre l'enfance et l'entrée de ce qu'on appelle à l'âge adulte par le travail, par le mariage. Et donc ce passage et les conditions de ce passage sont différents selon les sociétés. Donc c'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas une seule définition de ce qui est un jeune, il y a plusieurs définitions. Autre chose, c'est qu'on parle de jeune, mais finalement, pour reprendre l'expression d'un sociologue célèbre, Pierre Bourdieu, qui disait, à juste titre, d'ailleurs à mon sens, c'est que la jeunesse n'est qu'un mot. Ça veut dire que dans la réalité, on ne va pas trouver quelque chose qui s'appelle jeune. Non. Dans la réalité, il y a des situations, il y a plusieurs profils de jeunes. Par exemple, au Maroc, on a les jeunes ruraux, les jeunes citadins, les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes chômeurs, les jeunes au travail, les jeunes sans emploi. Donc, vous voyez. Et donc, c'est ça ce qu'il faut, ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est cette diversité qu'il faut. Il faut tenir en compte dans les politiques publiques et dans les politiques sociales ciblant cette catégorie.